Si est une naissance de plus en plus attendue. Meghan Markle devrait accoucher d'un jour à l'autre de son premier enfant. Et tandis que la famille royale est sur le qui-vive pour accueillir le royal baby, le prince William risque de manquer cette naissance. Et pour cause, l'époux de Kate Middleton est actuellement en déplacement en Nouvelle-Zélande. Ce qui ne l'empêche tout de même pas de penser à son futur neveu ou sa future nièce. Dont il n'a absolument aucune idée s'il ou elle est déjà né. Dans une vidéo relayée sur Twitter, un habitant venu saluer le prince William lui demande, un signe du royal baby? Une question à laquelle le duc de Cambridge a répondu sans détour. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, je n'en ai aucune idée. Vous le saurez avant moi à ce rythme, a-t-il plaisanté. Mais il se pourrait bien au contraire que le prince William n'apprenne pas la naissance de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry dans la presse, mais bien de la part de la famille royale. En effet, son frère et son épouse ont décidé de célébrer la naissance de leur enfant avec leurs proches avant de l'annoncer au monde entier. Une chose est sûre, les Britanniques se font de plus en plus impatients et guettent les moindres détails qui pourraient présager un accouchement imminent. Si bien que la présence d'une ambulance non loin de Frogmore Cottage a provoqué une véritable frénésie autour de l'arrivée du royal baby. Vendredi 26 avril, un véhicule et un hélicoptère ont été aperçus non loin de la demeure de Meghan Markle et du prince Harry, laissant planer le doute sur l'accouchement de la duchesse. Et qui s'est avéré être finalement une fausse alerte.